Ah mais c'est très compliqué hein. Normalement Fla est toujours sur le banc, là il est en face, il nous donne quand même quelques consignes. Mais c'est une très bonne expérience hein. Les gars, je leur donne des consignes un petit peu à la fin. On respecte l'objectif, on devait pas scorer, on devait pas prendre plus de 55 points, là. On en prend 54, donc c'est très bien. C'est une très bonne expérience en tout cas, mais c'est bizarre. Mais c'est une bonne découverte pour ma part. Ouais. Oh ben, on l'a pas. Enfin, je sais. Le coach a gardé sa place parce qu'il nous annonçait à peu près tout. Il faisait même des gestes étranges. À un moment, il m'a fait ça pour me faire comprendre qu'il fallait faire rentrer Fla. On est là juste pour faire le relais, quoi. Exactement. C'est bien débrouillé quand même. C'est bien débrouillé. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on a pu. C'était possible tout le match, on le savait dès le départ. On commence à creuser l'écart fin de troisième, tout le quatrième. Les intérieurs, on les fait sortir à 5 fautes de leur côté, donc ça fait déjà du bien. On pousse, on joue ensemble, et ouais, mais bon, tout le match a été poussif, on le savait de toute façon. Pas d'adresse en plus, très peu d'adresse à 3 points, quelques paniers de temps à autre, à mes distances également, mais toujours compliqué à Saint-Julien de mettre dedans quand même. Moi j'ai trouvé la première mi-temps très frustrante parce que c'est une équipe. Franchement largement en dessous de nous et c'est dommage de se dire ouais on va gagner à l'usure et pas de vouloir direct les mettre dans la tête dans l'eau quoi. L'agressivité dès le début parce qu'on aurait pu, on gagne de quoi, 15 points et on devrait gagner 30 quoi. Ah bah si on me le propose, oui. Moi j'ai bien aimé, enfin c'est toujours bon à prendre comme expérience, hein, pour apprendre, moi qui suis en plus en formation coach, oui avec plaisir. Flavien aura pris encore un autre match avec plaisir. De suspension.